foi qui va le permettre ou sérieux. Bon, c'est la foi qui va permettre que ou pas tomber dans l'impudicité. Bon, c'est la foi qui va permettre que ou pas tomber dans l'immoralité pendant que le monde est tête en bas, pendant que le monde est bouleversé. C'est la foi qui va permettre ou être droite, ou être fidèle. C'est la foi. C'est la foi qu'on a besoin. Ou besoin de la foi pour marcher avec Dieu. Ou besoin de la foi pour faire autre avec Jésus-Christ. Si on n'a pas de la foi, on n'est pas capable de faire, on n'est pas capable de faire autre ça. Abraham a besoin de la foi pour le triompher. Abraham a besoin de la foi pour le triompher. Isaac a besoin de la foi pour le triompher. Jacob a besoin de la foi pour le triompher. Tous les vrais serviteurs de Dieu, ils ont besoin de la foi pour être capable de triompher de ce monde. Pour remporter la victoire contre ce monde, on a besoin de la foi. On nous dit la foi. La foi. Okay. Avec la foi, nous déjà des vies, nous déjà des victoires. Avec la foi, nous déjà sur route pour le ciel. Avec la foi, nous déjà by Christ la vie nous. Nous abandonner nous dans le Christ. Avec la foi, nous dépend de Jésus, de Jésus-Christ. Avec la foi. Ok, la foi est importante. Regardez ça avec moi. Dans Habacuc chapitre 2, le verset 4. Il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par ça, par sa foi. Qui moun li dit nom ni enflé, li pas droite là, la parle de un injustio. Mais moi-même, ce m'avant qui juste, nous vivons pas là, nous vivons par la foi. Nous marchons par là, par la foi. C'est la foi qui permet nous triompher. C'est la foi qui permet nous gagner victoire. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas capable de fonctionner dans le monde ça. Moi-même, la foi, moi-même, je suis avant de gagner, les différents avec les païens. La foi que nous gagnons, nous avons la foi dans mon Dieu. Nous avons la foi de Dieu. Nous avons la foi que la Bible parle de lui. Mais les gens qui sont Christ là, la foi que vous gagnez, c'est une sorte de risque. Est-ce que vous comprenez? La foi que vous gagnez, c'est une sorte de risque. Moi-même, je suis avant la foi que nous gagnons. Les différents de foi par roi. Yo même yo dépend de l'argent. Yo dépend de yo amis. Yo dépend de des maisons qui ont possédé. Yo dépend de l'or, de diamant. Mais même on se met avec vous. La foi que nous gagnons fait nous dépendre de mon Dieu. Puisque nous dépendons de mon Dieu, nous avons déjà la vie, la victoire parce que à la croix, Christ paye déjà. Amen. Oui. À la croix, Christ paye déjà. Si vous êtes capable là, à la croix, Christ paye déjà. Si vous êtes capable là, je vous dis, à la croix, Christ paye déjà. Si nous pas mourir, Jean-Edmi en voulait là, c'est parce que Christ paye déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gardons ça avec moi dans verset ça. Rapidement dans Colossiens chapitre 2. On a commencé dans le verset 14 jusqu'au verset 16. Colossiens. Pour que Christ paye déjà. Colossiens. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Regardez rapidement dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Regardez rapidement dans. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Qui s'en dit dans Colossiens chapitre 2. L'Iti. Il a effacé. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Que à la croix, Christ fait tout le travail. Amen, oui. Première bagaille qu'il fait, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Que après le péché, nous avons eu l'acte acte de naissance. On va admis condamné nous. On va parce que après le péché, Satan est venu nous à l'égal.
Sous nous, c'est seulement le péché qui a fait Satan qui doit légal sous. Si vous ne pas tomber dans le péché, il n'y a pas de droit légal sous. Ben oui, si vous ne pas tomber dans le péché, il n'y a pas de droit légal sous. C'est seulement Christ qui a un droit légal sous. Parce que la Bible dit, non, Romains 8 ans, Romains 8 ans, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas de condamnation pour le monde qui est en Jésus-Christ.